Bon après-midi à vous. Bon après-midi, bon après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Mon âme bénit le Seigneur. Je ne savais pas que j'allais pouvoir y arriver. Normalement, l'émission qui passe à 7 heures, c'est à la lumière des Écritures. Donc, c'était une bataille pour que j'aie la connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, toutes mes excuses, hein, toutes mes excuses indépendamment de ma volonté. C'est pour vous dire que c'était un peu difficile. Et je crois que la victoire nous a été donnée. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas compris comment je ne réussissais pas. Déjà, le téléphone avec lequel je fais le direct là, maintenant, il avait planté complètement. Même s'éteindre, il ne voulait pas s'éteindre, il ne voulait pas se rallumer, il ne voulait rien faire, quoi. Donc, ça ne fonctionnait pas du tout. Écoutez, le diable est un menteur. Ses œuvres sont anathème dans le nom puissant et souverain de Jésus. La victoire nous a déjà été donnée par notre Père. Sa mort sur la croix, ce n'est pas pour que nous puissions à nouveau venir souffrir les mêmes souffrances qu'il a endurées. Ce n'est pas possible. Donc, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a appelé. Donc, le Seigneur Jésus. Et tu l'es également. Cette annonce, c'est pour vous dire, pour cet après-midi, toutes mes excuses. Donc, à la lumière des Écritures, demain, reviens à partir de 13h, comme d'habitude, à partir de 13h, 14h30. 13h, 14h30. Vraiment, j'avais tellement hâte. Si vous remarquez bien ma coiffure même, ma coiffure même a pris un coup. Parce que je ne comprenais pas, j'ai transpiré, j'ai dit, c'est pas possible. Le diable ne peut pas se permettre que cette semaine encore, qu'il n'y ait pas émission. C'est vrai que les semaines d'avant, on avait des programmes, ce qui fait que à la lumière des Écritures, n'avait pas eu lieu. Mais nous nous sommes reposés. Nous avons trouvé du temps pour pouvoir reprendre l'émission. Donc demain, 13h, s'il vous plaît, connectez-vous et partagez. C'est une émission qui sort tout droit des entrailles du Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit. Il y a tellement de témoignages. Il y en a tellement que s'il fallait qu'on donne tous les témoignages de ce que nos émissions font dans les familles et les vies, nous n'en finirons pas. Et tout le monde, justement, n'est pas disponible pour donner son témoignage en direct. Cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Dieu agit encore. Il agit encore. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Donc, toutes mes excuses, je tenais absolument à partager cela avec vous. Vous n'avez pas été oublié du tout. Non, je me suis battue comme le lionceau que je suis et que le Seigneur a fait de moi et j'y suis parvenue. Voilà. Comme quoi, pour dire que dans la vie, il faut persévérer. Persévérer jusqu'à voir votre bénédiction. Ne jamais baisser les bras avant la saison. Non. Vous dire, je recommencerai, je réessayerai jusqu'à ce que je puisse voir la gloire et la puissante main de Dieu agir dans ma vie. C'est en cela que nous avons nos témoignages. Si nous n'expérimentons pas Dieu dans une dimension où notre génération n'a pas expérimenté, nous ne ressortirons pas de là avec un témoignage qui marquera notre génération ou qui nous étonnera nous-mêmes. Nous-mêmes qui avons été acteurs de cette bénédiction. Donc, je voudrais t'encourager à persévérer. À persévérer jusqu'à voir la bénédiction et à rappeler à Dieu sa promesse. Il n'est pas un menteur. Ce n'est pas un homme. Quand il dit, il le fait. Et si Dieu ne le fait pas, soit ça veut dire que c'est nous-mêmes qui nous sommes détournés de la voie, soit c'est nous-mêmes qui avons tourné le dos à Dieu. Mais Dieu demeure et demeurera fidèle à toujours. Voilà, que le Seigneur te bénisse pendant que tu partages, que l'alliance de Dieu qui est attachée à notre vie, mon époux et moi, notre ministère, et à tout ce que nous entreprenons, soit votre partage. Au nom puissant et souverain de Jésus. Demain, 13h, non-stop. Je vais commencer même avant 13h pour permettre aux gens de se connecter avec un thème fort
fort, comme d'habitude. Dieu parlera encore à nos cœurs. Dieu parlera encore à nos vies. Vous savez que nous vivons les derniers temps. Et le diable est debout. Ça, ce n'est pas un truc où on va encore commencer à débattre. Les Écritures le disent. Et les évidences sont là. Nous vivons cela tous les jours. Alors, je voudrais que tu te tiennes à la brèche. Que tu te lèves. Et que tu combattes. Et que tu préserves. Que tu mettes à l'abri tes bénédictions. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas ton voisin qui viendra le faire. Non, si le voisin sait même que tu as une bénédiction, il fera tout pour te l'arracher. Il fera tout pour te dérober cela. Il fera tout et se rassurera que tu ne vives pas la joie de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc ta bénédiction, frère, préserve ta bénédiction. Tiens-toi à la brèche. Préserve ta famille. Préserve tes grâces. Mets le feu tous les jours autour de toi. Que toute personne que Dieu n'a pas plantée, que Dieu n'a même pas invitée, qui s'est invitée dans ta vie, que le feu de Dieu embrase. Et que ça commence par les fesses là. Au nom de Jésus, nous sommes dans un champ de bataille. Si tu dors, il est probable que tu ne te réveilles pas. Oui, il est probable que tu ne te réveilles pas et que tu sois même sûr, que toi-même tu sois surpris de tout ce que tu avais qu'on t'a arraché en te giflant. Ne sois plus fainéant, frère. Ne sois plus paresseux. Ne sois plus paresseuse, sœur. Non, il est temps que toi-même tu te lèves et que tu dises assez, c'est assez. Et que cet assez, c'est assez soit véritablement véritable dans ta vie et qu'on voie le changement. N'attends pas le changement venant des autres hommes de Dieu. Comme quelqu'un a chanté, changement, changement, oh changement. Où est le changement? C'est déjà là. Non, c'est sérieux. Le changement, il est déjà là. C'est à chacun de le tenir de la manière la plus visible. Le changement est là. C'est chacun qui apporte le changement. Si tu veux le changement, tu auras le changement. Si tu le dis parce que les autres le disent, ta vie ne bougera pas d'une semelle. Tu ne verras rien changer dans ta vie. Parce que celui qui apporte le changement, c'est l'acteur même qui le proclame. Si moi je veux le changement, comme je suis en train de le déclarer, le changement est visible, il est palpable. Parce que le changement vient de la décision personnelle que nous prenons pour voir notre vie améliorée. Ce n'est pas confié à un homme de Dieu. Non, cela t'est confié. Tu prends la décision, très bien. Et maintenant, il y a une orientation qui sont les serviteurs de Dieu vers qui nous partons pour que nous puissions être remplis de la connaissance de la parole et que nous ayons une orientation pour que notre vie soit meilleure. Donc, la décision te revient. Si tu veux que cette année soit une année puissante dans tous les domaines, soit une année de révélation dans tous les domaines, tu expérimenteras cela. Aucun homme, aucun sorcier, aucune maladie ne t'arrêtera de vivre la puissance de Dieu en cette année. Tout ce que tu déclares, tout ce que tu proclames, tout ce que tu veux viendra à l'existence. Mais es-tu prêt à être patient? Si dans ton cas, Dieu veut la patience, es-tu prêt à discerner les temps, les saisons, comme les fils d'Issacar? Es-tu prêt à vivre une vie, ta plus belle vie pendant cette année 2021? Tout dépend de toi. Ta destinée n'est pas la destinée de ton frère. Ta destinée n'est pas la destinée de ton cousin ou de ta cousine. Non, ton chemin est tout tracé. Ton chemin est différent. Qui veut faire la différence fera la différence. Qui veut être démarqué sera démarqué. Qui veut expérimenter Dieu dans une révélation sans pareil sera distingué et Dieu saura distinguer cette personne. Donc, comme pour dire, pour conclure et pour chuter, tout dépend de nous. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Quelle quantité de Dieu tu portes pour cette année 2021, pour qu'il y ait un changement? Quelle quantité de Dieu tu portes? Je voudrais t'inviter à porter à 100% la quantité de Dieu. Pas à moitié, mais 100%. Tu le prends avec les beaux jours, avec les mauvais jours. Oui, Dieu, c'est comme ça. Ou c'est 100%, ou c'est rien du tout. Non, tu ne choisis pas. 50% de bonheur, l'autre 50% de malheur, cela ne me regarde pas. Dieu fait partie de tout ça. Ce que toi, tu appelles malheur pour toi,
peut être bonheur pour Dieu, pour toi, pour ta vie. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, pour comprendre ces choses, il faut aller dans les profondeurs d'une relation intime avec Dieu pour comprendre ces choses. Parce qu'un homme charnel ne comprendra pas ces choses. Oui, un homme charnel ne peut pas comprendre Dieu, même le langage de Dieu, parce qu'il est étranger à tout ce que Dieu dit. Il comprendra cela à l'envers. Parce que pour lui, ça n'aura aucun sens de savoir que comment pour Dieu, on doit d'abord souffrir. Comment? À qui l'or et l'argent appartient? À celui, tu demandes seulement, il faut que tu souffres d'abord pour avoir une pièce d'argent. Non, il ne comprendra pas ces choses. Or, cela fait partie de la destinée de ceux que Dieu a choisis et ceux qui ont décidé de marcher selon les voies de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse pour cette courte exhortation poussée par le Saint-Esprit. Je suis votre humble servante, la révérende prophétesse Shalom Ikanem. Excusez-moi, ma tête là, s'il vous plaît. J'étais dans le combat. Un combat où j'ai dit à Dieu, soit je remporte ce combat, soit c'est Satan qui gagne. Mais c'est toi qui gagnes toujours, parce que je t'appartiens. Je fais partie de ta race. Et ta race, c'est une race de vainqueurs. Alors j'ai remporté, j'ai voulu partager cette victoire avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous distingue. Demain, 13h30, je serai là avec toute mon équipe. Et Dieu nous fera encore du bien. Voilà, je t'aime de l'amour de Christ. Merci pour vos cœurs. Merci pour votre amour. Merci à ma fille Fanel. Merci, merci. Permettez-moi de saluer quelques personnes. Espérance, que le Seigneur vous bénisse. Cindy, Muriel, j'ai déjà dit Fanel. Mais Fanel, tu es partout. Jean Akamba, voilà. Merci beaucoup. Alvin, révérend Enoch Ministry, voilà. Soyez bénis, fils, soyez bénis. Benjamin Burroughs, sois béni, fils. Voilà. Voilà. Oh là là. Sarah Germaine, Anne, Jésus, Jésus-la-Pierre. Anne, Jésus-la-Pierre. Waouh, très original. Soyez bénis. Lorraine, Momo, soyez bénis. Et voilà. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci pour votre fidélité, Claudia. Claudia, voilà, nous a regardé. Annie Reine, qui est encore la prophétesse leftique. Voilà, soyez bénis, servant de Dieu. Voilà. Ah, mais les gens trouvent que je suis bien au naturel. Ben oui, je sais. C'est ça. La belle femme, c'est quand elle est au naturel, pas quand elle porte tous les déguisements, les clignotants, les phares, les... Comment on dit ça? Double clignotant et tout ça. Mais voici, on... Je vous dis la vérité. Si vous, regardez mon front. Regardez comment ce front est dégagé. Il a transpiré jusqu'à... J'ai dit, Seigneur Jésus, ou c'est toi, ou ce n'est pas toi. Je t'appartiens. Non, vous, non, regardez vous-même. Parce qu'il ne faut pas souvent dire que non. Déjà, vous savez ça. Quand je dois me mettre au naturel, je me mets au naturel. La belle femme, c'est celle qui est d'abord au naturel. Pas celle qui a tous les artifices que nous connaissons. Parce que ces artifices viennent pour rehausser. Mais à la base, voici ça. Que le Seigneur te bénisse. Merci à toutes ces personnes. Hein, sans toutefois blesser qui que ce soit. C'était juste pour rire. Voilà. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup être au naturel. Depuis un moment, j'aime beaucoup le naturel. Voilà. Parce que les gens se disaient que je porte trop. Je suis trop artificielle. Je suis toujours... Bon, vous savez, hein. On ne va pas arrêter l'homme hein, de dire ce qu'il a envie de dire, de parler ou de commenter ou de donner son avis quand bien même on ne lui a rien demandé. Mais la vie, elle est faite ainsi. Le naturel, c'est mon truc. Ça, il faut que je vous le dise en premier. C'est comme ça. Voilà. Prophète Philippe Choubeu, soyez bénis, serviteur de Dieu. Voilà. Donc, demain, 13h, à la lumière des Écritures, chez vous, fera son entrée tout en espérant que vous allez nous laisser entrer et que le Saint-Esprit fera ce qu'il sait le mieux faire pour nous amener encore, pour nous donner encore une révélation pour cette semaine ou pour ce jour merveilleux. Mais je crois que l'exhortation de ce moment vous a certainement béni. Partagez au maximum et que la gloire de Dieu qui surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment donnée. Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen.
Pendant que vous dites Amen, qu'il en soit ainsi, c'est scellé. Shalom.